Les vacances ont débuté pour Caroline Margeridon, alors que les tournages d'affaires conclus sont à l'arrêt. La collectionneuse s'est offert un repos bien mérité. Pour ce faire, elle s'est envolée direction le sud de la France, où elle profite d'une grande villa avec piscine. À elle la farniente, les cocktails et les bains de soleil. Mais le tout avec modération. Car si elle aime se prélasser au soleil, l'ancienne meilleure amie de Pierre-Jean Chalençon prend soin de ne pas en abuser. D'ailleurs, Caroline Margeridon a définitivement tiré un trait sur certaines habitudes. Comme celle de se badigeonner d'un mélange d'huile d'olive et de citron pour bronzer plus rapidement. Ne le faites pas. Moi, je l'ai fait toute ma vie mais ce n'est pas bon. Ça flétrit. Ça devient pas beau, avait-elle conseillé aux auditeurs de l'Instant de Luxe. C'est donc avec prudence qu'elle s'est exposée au soleil ce vendredi 6 août. Le tout pour le plus grand bonheur de ses abonnés, qui ont eu le droit à un cliché d'elle en maillot de bain. À 54 ans, celle qui possède une boutique au marché Biron peut se vanter d'avoir un corps de rêve. Il suffit de s'épancher sur son dernier cliché pour constater qu'elle n'a pas un seul défaut. Sur celui-ci, elle apparaît vêtue d'un maillot de bain une pièce mais dotée d'un large décolleté. De quoi faire saliver les internautes, qui ont également été émerveillés par ses jambes interminables. Mais le but de cette publication n'était pas uniquement de dévoiler son corps de rêve aux utilisateurs d'Instagram. En effet, Caroline Margeridon en a profité pour annoncer qu'elle était à la fin de l'écriture de son livre. Une bonne nouvelle pour ses fans, qui risquent bien de se l'arracher.